Est-ce que ma sœur doit laisser partir Matteo Guendouzi? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Matteo Guendouzi, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que ma sœur doit laisser partir Matteo Guendouzi? Moi, je pense que actuellement, Marseille n'a pas son remplaçant. Certes, Matteo Guendouzi, ce n'est pas la crème de la crème au milieu, mais ce n'est pas non plus un tocard. Et lorsque je vois l'effectif de Marseille actuel, personne ne peut le remplacer. Il n'a pas vraiment de remplaçant. Donc, si il quitte Marseille, il faudra vraiment que Marseille trouve son remplaçant. Et on est à quelques jours de la fin du mercato. Ce n'est pas vraiment de l'intérêt de Marseille de laisser partir Matteo Guendouzi à l'heure actuelle. Ils seront perdants. Trouver un joueur qui va remplacer Guendouzi à l'heure actuelle en si peu de temps, c'est hyper compliqué, les amis. C'est hyper compliqué. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée de laisser partir Matteo Guendouzi. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Matteo Guendouzi doit quitter Marseille, dis-moi tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!